Bueno, estamos aquí con Michel Kissy, alias Tom Paul, lo podéis reconocer de la película de Kickboxing, el villano de la película de Van Damme, aquel que parte la viga antes del Mucho gusto. combate. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, voy a hacer la Yo entrevista. gusto mucho. Me gustó mucho España. Bien, tú serás ici, encore une fois. Bueno, vamos a hacer la entrevista en francés y iré poniendo la traducción, ¿vale? Michel Kissy es el padrino de la Federación Unidos por el Deporte y un gran amigo de la familia. Y vamos a abrir las preguntas. Bon Michel, Sí, comment sí. ça se fait le parrainage avec Uni pour le sport? Ben écoute, Juan Pinella m'avait demandé ça il y avait depuis un petit temps et c'est un honneur pour moi et c'est un plaisir et je le remercie beaucoup de m'avoir proposé cela. C'est extraordinaire. Tu crois bien que la Fédération Unie pour le sport, ça fait quelque chose de bien pour les jeunes et pour la nouvelle société? C'est pour ça que je trouve ça extraordinaire parce que Juan Pinella, en fait, fait énormément pour les jeunes depuis très, très longtemps. Donc, il a le même combat que moi. C'est notre manière de combattre la drogue parce que la drogue, c'est le plus grand cancer qu'il y a sur Terre, que ce soit alcool, que ce soit marijuana, que ce soit cocaïne, que ce soit héroïne, que. Tout ça, ça a vraiment nui à notre jeunesse énormément. Et le sport aide parce que bien souvent, les personnes qui font du sport, surtout les arts martiaux, ils ne vont pas toucher à toute cette crasse-là. Mais évidemment, beaucoup font l'erreur, mais on n'est que des êtres humains. Donc moi, je tire mon chapeau à ceux qui ont pris de la drogue et qui se sont arrêtés, car ce n'est pas évident. Et voilà, donc quelque part, Juan Pinella et moi, on mène le même combat contre la drogue. Et ce combat-là, c'est tout simplement motiver les jeunes et surtout les jeunes parents à mettre leurs enfants très jeunes dans les arts martiaux. Et ça se fait comment que tu connais à Juan Pinilla, Juan Pinilla? Juan Pinella, c'était déjà dans les années 70, les années 70, c'est 20, 20 ans, c'est 20, comment on dit en espagnol? 70. 70, años 70, 70. 60, 60, 70. Voilà, déjà là, en Belgique, on se connaissait pas trop bien, mais bon, je savais que Juan Pinella était un grand combattant, un cœur énorme, un guerrier. Vraiment, il était connu d'être un guerrier. C'était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux et il était un exemple parce que le courage qu'il avait, ça inspirait beaucoup de jeunes. Et lui déjà était jeune dans les années 70, mais il était redoutable, un redoutable combattant. Bon, et laissons un peu de côté à Juan Pinilla. Comment est-ce que tu arrives à devenir acteur? C'est quoi qui te pousse à devenir acteur? Alors, j'avais une passion, j'avais cette passion du cinéma déjà tout petit. J'avais quoi? J'avais l'âge de 6 ans et mon frère avait 8 ans à l'époque. Et tous les week-ends, on devait aller au cinéma, on s'est habitué, on voulait avoir. Enfin, nos parents nous ont payé la première fois le cinéma, puis la deuxième fois, et puis c'était difficile, hein. On n'était pas une famille riche, hein. Et pas du tout, même pas une famille aisée, donc c'était très difficile.
et c'était sur Bruxelles, il y avait la place Jourdan, et c'était un cinéma qui s'appelait le cinéma Rio. Et ce cinéma-là, il y avait à l'époque, dans les années 60 déjà, parce que moi je parle là dans les années 60, quand j'avais 6 ans et mon frère avait 8 ans, et on adorait tout ce qui était, à l'époque c'était beaucoup des films italiens qui venaient dans le cinéma belge. Et c'était Massiste, Samson, Hercule, c'était Johnny Westmuller, Tarzan, c'était Bruce Lee, c'était ce genre de films-là qu'on aimait beaucoup déjà à l'époque. Donc, quand on n'avait pas les moyens, qu'est-ce qu'on faisait? Mon frère avait une petite stratégie, pas trop honnête, mais bon, on voulait voir un film avec tous les moyens. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il me demandait de pleurer fortement. Pour moi, c'était facile de pleurer parce que je pleurais. Je disais, je pleure parce que je ne peux peut-être pas voir le film, je ne peux pas rentrer au cinéma, donc je pleurais. Et alors, il y avait des femmes belges assez âgées et qui nous voyaient. La première chose en général qui disaient, oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces petits, avec ces petits garçons avec leurs cheveux crôlés, noirs. Et puis, ils venaient, ils nous approchaient, ils me disaient, mais pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Et alors, mon frère disait, oh, c'est rien. Et tu sais, quand tu dis à quelqu'un, surtout une personne âgée, comme ça, rien, c'est rien, ils veulent savoir plus, tu vois. Ouais, non, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le petit garçon pleure? C'est votre frère, oui, c'est mon petit frère. Il pleure tout simplement parce qu'on a perdu notre ticket de tram. On devait prendre le tram pour aller à la maison. Et puis, et où vous habitez? Ben, pas trop loin, ça va, 10 kilomètres. Quoi? 10 kilomètres? Non. Pas question. Et il nous donnait l'argent pour le tram. Alors, nous, on devait faire ça 2-3 fois parce qu'on voulait non seulement le ticket de cinéma, mais on voulait aussi notre Eskimo. C'était une glace rectangulaire, je me souviens toujours, avec un emballage. Rien que la vue de cette glace, tu avais envie de vraiment, et c'était une très bonne glace à l'époque, ils avaient vraiment de très, très bonnes glaces. Donc, on a fait ça 2-3 fois pour avoir notre ticket de cinéma et notre Eskimo, notre glace. Alors là, le concierge, je me souviens, le gardien de la salle de cinéma, il nous regardait parce qu'on avait essayé de rentrer en cachette au début, avant de faire cette stratégie-là, pour réunir un peu d'argent. Et il nous avait attrapés. Donc là, on était là, on le regardait fier, tu vois. On était au guichet et on payait notre ticket. Et puis, on le regardait quand on payait notre Eskimo aussi. Voilà. Et alors, on est rentré. C'est comme ça qu'on est tombé amoureux du cinéma. Et pour te dire, c'était, je me souviens, à la chaussée de Wavre, une descente. Et tout à fait en bas, avant d'arriver à la place Jourdan, il y avait le cinéma Rio. Moi, il me faisait toujours aller avant. Il me dit, dis-moi qu'est-ce qu'il y a comme poster. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a comme film. Si c'est bien, fais-moi thumbs up. Si c'est mauvais, fais-moi thumbs down. Alors moi, je vais et je vois des fois, on adorait Samson. Hein. Samson, Hercule, ça, c'était le top pour nous. Hein. Et quand je voyais Hercule ou Samson ou Assiste, et je regarde et moi, je baisse la tête et je lui fais de loin, tu vois. Et lui, il râle, il descend, la descente de chaussée de Wavre jusque chez moi. Et quand il voit en haut, il voit que c'est Hercule ou Samson. Saligote, tu m'as menti, c'est un bon film. Oh! Et alors voilà, et c'est comme ça qu'on est vraiment tombé amoureux des films. Et puis alors à la maison, on reprenait les scènes qu'on voyait. Un jour d'ailleurs, j'ai failli me faire tuer. Parce que j'ai pris un couteau à la cuisine, tranchant, et j'ai pris un papier et je l'ai mis en dessous de mon genou, si tu veux, à l'intérieur de mon genou, à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi j'ai été là, mais je me souviendrai toujours, et je dis, ce papier-là, ne transpercera pas, je vais taper ça. Mon frère dit, quoi? Impossible, tu vas, c'est pas possible. Parce que j'avais vu dans le film le même genre de scène, quelqu'un avait mis quelque chose a frappé et ça n'a pas transpercé. Donc, moi, j'ai essayé de faire la même chose. Mais je ne te dis pas, alors lui, il a paniqué parce qu'il y avait du sang, puis il m'a mis une couverture, ma mère est arrivée.
Elle a dit, oui, mais elle a vu, qu'est-ce qu'il a ton frère? Blanc, j'étais blanc, moi j'étais vraiment rouge. Et puis, comprenait pas, elle dit, et puis elle enlève la couverture pleine de sang, et puis elle me prend très rapidement à l'hôpital, et apparemment, une demi-heure, je mourrais d'après le docteur. Tu vois, quand on est tellement fou de films, regarde ce qu'on peut faire des fois. Voilà, donc une petite anecdote par rapport à ça. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, le seul maître d'essayer de voir des films, ça t'a devenu un acteur parce que tu devais déjà être acteur pour rentrer dans le cinéma. Tu devais de faire du Ah ben cinéma. oui, je te dis, j'étais déjà fou de films, tout petit, fou de films. La première fois que notre père nous a apporté une télévision, je me rappelle, noir et blanc, c'était une Barco. Ben, c'était la folie. Waouh, c'était, je ne sais pas, c'était comme si on nous avait donné le plus beau cadeau de notre vie, je me souviens, une TV noir et blanc que mon père avait apporté lorsqu'on était. On avait quoi? On avait plus ou moins 10 ans. J'avais 10 ans, 11 ans, et c'était la folie. Et alors, voilà, on regardait tu vois, tous les dessins animés, les films. On aimait bien les westerns. Voilà, on est des fans de cinéma depuis tout petit. Alors, après ça, quand tu as pris la décision que tu voulais devenir acteur, tu crois que ton fruit de ton exit est l'effort et la persévérance? En fait, étant énormément passionné de cinéma, on était aussi passionné de boxe et on suivait fortement Mohamed Ali. Et on s'est retrouvé dans une salle de boxe. Mon frère Abdel a été d'abord et puis moi je l'ai suivi. Et là, au rez-de-chaussée, il y avait le karaté, au sous-sol, il y avait la boxe. Et puis Jean-Claude Van Damme, de son vrai nom, Jean-Claude Van Varenberg, est descendu. Il aimait bien la boxe, il venait descendre nous voir à l'entraînement. Quand il avait terminé son cours, il venait nous voir. Et puis finalement, moi aussi, j'allais le voir et on a lié amitié. Et puis on allait aussi au cinéma régulièrement, on n'avait pas vraiment les moyens. On allait avenue de la Louise, je me souviens, ce cinéma-là, on allait en cachette à l'arrière. On allait, voilà, on aimait beaucoup la boxe, le karaté et puis le cinéma. Et on avait cette passion de film, déjà tout jeune, Jean-Claude et moi. Et on avait essayé sur Bruxelles, puis on avait essayé sur Paris, rien du tout. Les films d'action, il n'y avait pas vraiment des films d'action. Et puis le père de Jean-Claude, un beau jour, Eugène, regarde dans un journal et il y a un festival, MIFED, le MIFED, c'est-à-dire c'est le festival de Milan. C'est un peu style de festival de Cannes, mais Cannes, c'est plus prestigieux. Milan, c'est plus vraiment business. Donc, on y a été. On avait quoi? On avait 17, 18 ans. On y a été, je me souviens, on a pris le train, on est resté dans une auberge de jeunesse car on n'avait pas vraiment les moyens. Donc, il y en a un qui devait rester éveillé, l'autre dormait, et puis on faisait le tour parce que c'était, tu vois, c'était une grande salle avec des lits superposés. Il y avait des fois, on voyait des soûlards, des gens pas trop propres. Donc, on avait un peu peur pour nos affaires. Donc, un dormait, un surveillait. Puis, quand on a essayé d'aller au festival, on ne nous a pas laissé rentrer. Et il y avait un agent français, je me souviens, Bernard, et il nous a remis des badges. Et là, on est rentré. Quand on est rentré, on a rencontré énormément de gens. Là, c'était la folie. C'était, tu vois, un énorme complexe avec, si tu veux, chaque étage plein de bureaux. Et dans chaque bureau, il y a une TV, un sofa, des posters. Et c'était des distributeurs, producteurs qui vendaient leurs films. Donc, chaque film était vendu dans différents territoires. Tu as territoire français, territoire espagnol, territoire anglais, tu vois, et ça se vendait comme ça. Et alors, on était très impressionnés par tout ça. Et puis, tout le monde nous disait la même chose.
parce qu'on leur faisait comprendre qu'on voulait nous jouer des films, on voulait être acteur. Et puis ils ont dit, oui, c'est pas l'endroit, nous ici on vend des films, mais si vous voulez être acteur, il faut être à Hollywood, il faut aller à Hollywood. Donc eux nous ont motivés énormément pour aller à Hollywood. Et puis on s'est dit, il faut qu'on y aille. Alors on a commencé à travailler très dur pour réunir de l'argent pour prendre l'avion. Et tu sais que l'avion dans les années 80-82, c'était très cher. Donc on a travaillé très dur pour réunir franc par franc pour ce ticket d'avion et tout le monde nous prenait pour des fous. Ils rêvent ceux-là, mais ceux qui nous prenaient pour des fous, c'était surtout notre propre famille, notre frère et sœur, mère et père, c'était vraiment les plus proches. Et c'est mon grand frère, moi, Abdelkrim, il aimait bien le cinéma, mais bon, pour lui, il était à la STIP, il travaillait pour le gouvernement, voilà, il avait un diplôme d'électricien, il s'occupait pour dépanner les feux rouges. On m'a demandé de faire la même chose, mes parents et tout, de ne pas rêver de trop, de travailler un travail stable. Tu as ton salaire. Cherche pas à comprendre de faire des choses impossibles. Ouais, vous n'avez pas votre visa de travail, vous ne connaissez pas un mot d'anglais. C'est la folie. Là-bas, il y a des Américains qui essayent d'être dans des films, de réussir et qui n'y arrivent pas. Et vous, petit Belge, partir de Bruxelles à Hollywood, vous êtes fous. Donc nous, on a malgré tout, Jean-Claude croyait en moi, moi je croyais en Jean-Claude, et on s'est serré les coudes et on a suivi notre passion. Donc c'est comme ça qu'on est parti en 82 à Los Angeles, à Hollywood, pour la grande aventure. Dans tous les films que j'ai vus à toi, ou la majorité que j'ai vu des films à toi, et normalement, tu fais comme le personnage, le méchant. Mais en te connaissant comme je te connais après toutes ces années, tu es un des hommes plus nobles et plus gentils et calmes que je connais. Et c'est peut-être ça qui te manque un peu de méchanceté dans toi pour faire et être le méchant dans les films. C'est parce que tu aimes bien être le méchant. Non, c'est tout à fait par hasard. Et moi, honnêtement, me retrouver tout simplement devant une caméra, c'était un rêve. C'était un rêve. C'était un rêve que j'accomplissais. Déjà, pour te dire, rien qu'en tant que figuration, c'était déjà un rêve. On était déjà là juste parce qu'il y avait les caméras, il y avait les acteurs et on était tout contents d'être sur le tournage. Et ça, c'est breakdance. Vous allez sur YouTube, breakdance, Van Damme, Kissy, vous allez nous voir. Moi, j'ai un short noir torse nu. Lui, il a un tank top collant. Et bon, je lui parle souvent dans l'oreille parce que je lui disais à droite, à gauche. Parce que je voulais vraiment que Jean-Claude soit en face de la caméra, tu vois. Et breakdance est devenu un film classique parce que c'est le premier film avec breakdance, c'est là où il y a eu la révolution de breakdance, c'est là où les jeunes commençaient à danser dans les rues, le breakdance. Donc, pour nous, c'est un honneur d'avoir participé dans ce film-là, même en tant que figurant, on applaudissait tout simplement. On était sur Venice Beach, et alors on entourait les acteurs principaux qui dansaient, et il y avait même une scène qu'ils ont enlevée, il y avait une scène où on devait courir, un groupe qui devait courir, mais moi je disais à Jean-Claude, saute! Dès que je voyais qu'il était en face de la caméra, saute! Et lui, il sautait en grand écart. Mouam, il saute grand écart. Mouam. Et ils ont dû enlever la scène. Après, j'ai su ça parce qu'on voyait que Jean-Claude en train de sauter, tu vois. Donc, ça, c'était pas mal. Mais en ce qui concerne le rôle du méchant, je n'ai pas vraiment commencé ma carrière avec le rôle de méchant puisque j'ai fait, par exemple, Juan Paredes, le champion brésilien dans Bloodsport. Là, je n'ai pas vraiment joué quelqu'un de méchant. Ce n'était pas un énorme rôle, mais ce n'était pas un tout petit rôle. C'était quand même un rôle où on me voyait assez bien. J'avais ce combat de qualification en pleine forêt où j'ai gagné. Et puis, le premier combat que j'ai fait en comité, que j'ai gagné avec un uppercut sauté et mon adversaire tombe. Et puis, mon combat final avec Bolo, qui avait joué avec Bruce Lee, qui me casse la jambe. Là, j'ai joué un rôle d'un combattant honorable,
combattant champion brésilien. Maintenant, le combattant où j'ai joué le rôle de méchant, ça c'était sur Kickboxer, où là c'était vraiment par hasard. Par hasard. Donc je ne sais pas si j'ai le temps pour raconter cette histoire-là, Alex. Je ne sais pas, si tu as le temps, tu peux compter un peu. On n'est pas pressé. Alors voilà, écoute, ce qui s'est passé dans Kickboxer, où j'ai joué le rôle de Tong Po, je me suis occupé du scénario. J'ai lu le scénario. J'aimais bien l'idée, mais j'aimais bien la forme, mais le fond, parce qu'en fait, l'histoire, c'était quoi, Kickboxer? La première histoire, c'était Tom Po, donc Tom Po, écoutez bien, suivez bien, Tom Po, ça faisait trop comme Tom et Jerry, Tom Po, jamais pas, c'est des petits détails, hein, mais bon, Tom Po qui vient de Thaïlande à Los Angeles contre Kurt pour un match exhibition. Écoute bien la première histoire, hein. Premier scénario. Combat exhibition. Et dans le combat exhibition, il se fait disqualifier. Donc, c'est du jamais vu ça déjà, exhibition, se faire disqualifier, tu te fais disqualifier dans un vrai combat, mais pas dans un combat d'exhibition. Mais bon. Tom Po qui se fait disqualifier. Bon. Tom Po râle. Il est furieux. Il veut sa vengeance. Et il retrouve la maison de Kurt. Et il va chez Kurt. Donc Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude. Il va chez lui. Parce que son nom, c'était Kurt dans Kickboxer. Tom Po ouvre la porte. Il y a une ombre. Et il se rappe. C'est la maman de Kurt qui meurt. Kurt, donc Jean-Claude, furieux, il veut retrouver Tom Po pour venger sa maman. J'ai dit à Jean-Claude, non. Et c'est là où tout petit à petit, écoute, t'as un accent, ça se voit. Donc t'es pas américain, essayons de faisons comprendre. T'as un frère, qui peut être demi-frère, ça peut être sympa, qui lui est champion. Et on est venu avec cette idée que vous avez vue dans Kickboxer. Le père a marié, la première femme a eu Eric, donc le frère de Kurt, donc celui qui a joué le rôle, là, Eric Denis Alexio, qui était lui un vrai champion. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le père se marie avec donc une deuxième femme européenne, belge, et il a son deuxième garçon. Donc, c'était plus plausible pour faire comprendre l'accent, etc. Ils deviennent un peu plus âgés. Ils se regroupent. Un petit instant, Alex. Je reviens de suite. D'accord. Oui, c'est bon? C'est bon. Donc, je suis arrivé où, Alex? Tu racontais quand ça se rencontre, qu'ils sont plus âgés. Voilà. Et donc, c'est là où, on est venu avec l'histoire ensemble, Jean-Claude et moi, avec l'écrivain qui avait écrit la première version. On a fait une version finale, final draft, avec l'histoire que vous avez vue, Kickboxer. Mais Tom Po, ça devait être joué par Harold Diamond, pas par moi. C'est là où je te dis, où jouer le rôle de méchant, c'était vraiment par hasard, parce que moi, je me suis concentré sur le scénario, je me suis concentré sur Jean-Claude, le connaissant très bien depuis tout petit. Je savais son meilleur profil, je savais les meilleures techniques qu'il avait, je m'occupais de la chorégraphie des combats, le casting des combattants. Donc, c'était ça, moi, mon travail. Je devais normalement même pas être acteur dans le film. Mon travail était derrière la caméra.
Alors écoutez bien comment ça s'est passé. Harold Diamond est signé. Mais avant, je trouve le nom. Hein, je trouve le nom. Je dis Jean-Claude Tempo, ça fait 30 ans mais Jerry. Non, il faut essayer de trouver autre chose. Et puis finalement, je commençais moi-même à avoir cheveux, donc hair, oreille, ear, le nez, nose, lips, teeth, tongue, la langue, tongue, 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 po. Tongue. C'est comme ça que j'ai trouvé. Et je dis, Jean-Claude, tongue, po, c'est mieux que tom, po. Je dis, oui. Je dis, oui, c'est vrai. Et c'est comme on a changé ce fameux nom. Au lieu de Tempo, c'est devenu donc Tempo. Et Harold Diamond a été signé par Marc Dissal, qui était également un des producteurs de Bloodsport. Et puis là, dans Kickboxer, il était producteur et également co-réalisateur avec Dave Worth, qui, Dave Worth, était directeur de photographie dans Bloodsport. Donc finalement, Harold Diamond est signé. C'est la personne qui a joué dans un des Rambo, le Rambo 3, je pense, en Thaïlande. Le tout début, Alex, tu te souviens la scène, tout début avec des sticks et combat avec Stallone, Sylvester Stallone. C'est oui. Supposé être un Thaïlandais avec des longs cheveux. C'est lui, Harold Diamond. Et c'est lui qui a été signé par Marc Dissal. Et il a reçu un acompte. Donc, c'était lui qui devait jouer le rôle. Alors, écoutez bien comment ça s'est passé. Il y a Daniel Marquet. Daniel Marquet, c'est le responsable d'une boîte de distribution de France qui s'intitulait Movie Group. Lui était intelligent parce qu'il a vu le succès de Bloodsport et il voulait déjà acheter Kickboxer avant qu'on commence. Parce que ça se fait ça dans les films, comme les buildings, appartements. Il y a des buildings, il y a des appartements qui se vendent et le building n'est même pas encore construit. Il n'y a même pas encore une brique. Et c'est déjà vendu. Ils disent dans 5 ans, ce sera prêt. Et ils donnent des tranches de paiement. Ben, c'est la même chose dans les films. Il y a des films qui ne se sont même pas faits, mais qu'ils payent déjà au départ une partie pour le territoire français. Il avait payé déjà une grosse somme pour le territoire français. Daniel Marquet de Movie Group. Donc, Daniel Marquet est venu de Paris à Los Angeles pour faire des photos, photoshoot, pour pouvoir vendre le film lui aussi. Donc, on se retrouve dans une salle de Thai boxing à Los Angeles. Drapeau américain, drapeau thaïlandais, Harold Diamond en dessous du drapeau thaïlandais, Jean-Claude, donc Kurt, en dessous du drapeau américain, des photos. Il y a une fameuse photo qui a été utilisée avec des verres, comme ça, les verres. Et on voit, c'était là que ça a été fait, plongeant, une photo plongeante comme cela. Et donc, il y a eu plein de photos qui se sont faites là. Et alors, Marc Dissal, à un moment donné, parce que je ne te dis pas, il y a eu de gros problèmes entre Marc et Jean-Claude déjà dans Bloodsport, ce n'était pas évident. Ils avaient chacun une certaine personnalité. Moi, j'étais chaque fois au milieu. J'essayais d'aider pour calmer les choses. Donc, quelque part, Marc Dissal avait un peu une dent contre Jean-Claude. Donc, je sentais ça. Et il a fait quelque chose de pas trop correct. Il a dit, let's do some picture now. Let's go in the ring. And we want to see you fighting. OK. Et Harold Diamond vient vers Jean-Claude et lui dit, do you have your mouthpiece? Donc, est-ce que tu as ton protège-dents? Ça ne se dit pas, ça, déjà. Ça veut dire que tu veux vraiment cogner. On n'est pas là, on n'est pas là pour combattre, on est là pour faire des photos. Il faut, tu vois? Et ce type-là, on ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas. C'est la première fois qu'on le voit, nous, Harold Diamond, physiquement. Donc, moi, je n'ai pas aimé ça. Et j'étais toujours protectif, moi, par rapport à Jean-Claude. Donc, Jean-Claude a 1m76, moi, 1m82. Jean-Claude dans les 80 kilos, moi dans les 100 kilos. Donc, et là, moi, directement, j'ai dit, non, je dis, pourquoi, Marc? Je dis, Jean-Claude, he's already known, you know, with Bloodsport.
have all diamonds. So let's do picture with him. I will take picture with him. Donc je ferai des photos avec lui parce que Jean-Claude a déjà connu avec Bloodsport, on a déjà plein de photos de lui. Tu sais, j'essaie de, je monte moi sur le ring avec toi et on fait des photos et on fait. Et alors Jean-Claude a aimé l'idée directement. Il a dit ah ouais, good idea. Marc Dissan n'est pas trop content parce que c'est eux qui, normalement c'est les photos, c'est eux deux qui doivent être dans les photos, pas moi. Mais bon, moi j'ai dit oui, mais lui Jean-Claude a plein de photos de combat. T'as qu'à prendre et on va se concentrer sur Harold Diamond qui va jouer le rôle de ton. Directement, lui, Harold Diamond m'a regardé, m'a dit, OK, you or you, it's OK for me. Come. Comme ça. Directement. Toi ou lui, pas de problème. Viens, on va sur le ring. Et c'est ce type-là, il voulait se battre, tu vois. Il voulait directement. Mais après, il s'avère, après les années, il s'avère que c'est un gars gentil, c'est un gentil gars. Mais il a une manière de se comporter, voilà, qui à ce moment-là, on a trouvé très arrogant. Mais bon, après, on est devenus amis. Hein. Mais bon. On monte sur le ring. Moi, je n'avais jamais vraiment fait du kickboxing. Moi, c'était de la boxe anglaise. C'était ça ma spécialité. Harold Diamond, lui, il était apparemment vice-champion du monde de Thai boxing, mais d'une fédération pas importante vraiment, d'après ce que j'entendais. Donc, la première chose qu'il a faite, il m'a donné un low kick. Je me souviens de ça. On est là, bing, round commence, on vient pour combattre et il me donne un low kick, je ne te dis pas. Oh, purée, électricité au cerveau, ça m'est monté au cerveau, j'ai reçu de ma vie un low kick. Et là, il me donne un low kick, je ne te dis pas. Mais moi, j'ai un automatisme. Par exemple, en boxe, j'ai eu ma mâchoire cassée au premier round. Et en deuxième round, j'ai gagné par KO. Donc, j'ai un automatisme, quand on me frappe, je frappe automatiquement. Dès qu'on me frappe, je frappe, quoi qu'il arrive. Donc, je reçois le coup, électrifiant, je me souviens, mais directement, bam, crochet du droit. Il me frappe et je le frappe. C'était rapide, je me souviens. Bam, crochet du droit au menton, il va vers les cordes, étourdi. J'aurais pu... Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu continuer direct. J'ai laissé quelques secondes, étourdi, et puis il crie. What is this? C'est quoi ça? Il gueule. Et puis je viens vers lui, en son oreille, je lui dis, écoute, you hit nice, I'll hit nice. You hit strong, I will hit strong. Si tu frappes doucement, je frappe doucement. Tu frappes fort, je vais frapper fort. On continue le combat et je le vois, il est là, on se regarde, finalement, il continue doucement. Après cela, Jean-Claude voit la cuisse bleue et au milieu, je me souviens, jaune comme ça, un gros bleu. Jean-Claude a été vers Marc Dissal. Ce type-là, je ne veux plus. On va avoir un problème. Marc Dissal, ah, mais non, it's not possible. I paid the you know, down payment. Donc, j'ai donné la compte. On a fait le contrat, c'est pas possible. Ça commençait déjà. C'était souvent le même genre de problème qu'on avait. Dans Bloodsport, je ne te dis pas. Donc, j'ai calmé les choses. Tout ira bien, on va trouver une solution tout doucement, s'il vous plaît. Non, on n'a plus que 3 jours, il faut être à Hong Kong et on doit commencer le travail. Et... Donne-nous juste une heure, si tu veux bien, Marc, tout doucement. Et je lui fais un clin d'œil. Et puis Marc part.
Jean-Claude, je regarde. Bouge un peu. Pardon, Michel, pardon. Essaye de bouger un peu ton GSM, il est bloqué. C'est peut-être le réseau. On va voir si ça va mieux comme ça. Alors, je crois que c'est mieux comme ça. C'est parti. C'est bon comme ça? C'est bon, super. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je regarde Jean-Claude et je lui dis, je peux faire le rôle. Il me regarde, quoi? J'avais des cheveux, j'étais comme dans Bloodsport. J'avais des cheveux, je faisais plus jeune que mon âge, je n'étais pas asiatique. Il me dit, mais c'est pas possible pour que tu joues ce rôle-là, il faut un asiatique. C'est pas possible. Et je dis, Jean-Claude, tu te rappelles du film qu'on avait vu avec Steve McQueen à l'époque, un asiatique avec une queue de cheval, mais lui c'était un beau gars, mais là je vais voir Earl Ellis, tu te souviens Earl Ellis dans Cyborg, la personne qui s'est occupée des prosthétiques, il fait ça très bien, c'est un très bon maquilleur, laisse-moi voir avec lui, laisse-moi juste essayer, on va voir, parce qu'il me reste beaucoup de temps, toi et moi on se connaît très très bien, on a toutes nos vies du sparring ensemble, on peut faire des combats extraordinaires. Il me regarde, il connaissait mes idées, il comprenait d'où je venais, et dès qu'il a un peu entre mes idées, ah oui, Earl Ellis, oui, il peut peut-être faire le maquillage, ah waouh, il a aimé l'idée, puis on était invité King's Road. Parce que le film a été, donc, il y avait une contribution, il y avait une association avec King's Road et Canon Productions Menachem Golan. Alors, tu patientes un petit moment, je vais peut-être un peu changer de place parce que l'œil qui me frappe, où je vais carrément ouvrir le parasol. Attends, je vais voir peut-être ici. Attends, on va essayer de trouver une combine ici. Peut-être voilà. Tu me vois bien ici? Maintenant, c'est un peu bloqué. Voilà, je te vois bien là. Tu me vois bien ici? Oui. Voilà, en même temps, tu as. Tu te souviens, ici, c'était en plein tournage. Là, c'était en plein tournage. Tu vois ici? Oui. Là, tu as des photos, justement, de kickboxer. Voilà. Là, c'était le maquillage. Le maquillage. Tu le vois, le maquillage? Si, on voit bien. Oui. Alors, soit. Et là, c'est en plein jacuzzi avec dans Kickboxer 2. Parce que tu te souviens, avec mon frère et moi-même, quand j'ai joué Kickboxer 2, tu te souviens de l'entraîneur? Oui, je me souviens. Dennis Chan, tu te souviens, super sympa. Il a travaillé avec nous dans Kickboxer 2. Super, ouais. Trop fort. Ouais, j'ai vu plein de fois le film, alors je me souviens bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On est invité, on devait aller parce que évidemment Marc Distal a été parlé au grand boss et puis on s'est retrouvé à une salle de conférence, il y avait plusieurs personnes et puis ils ont dit à Jean-Claude, écoute, on a donné un acompte à Harold Diamond et voilà quoi, on a donné un acompte, on a fait un contrat, ce sera difficile de. On a entendu que tu ne le voulais plus maintenant, et Jean-Claude a dit non. Montre ta cuisse, s'il te plaît. Montre ta cuisse. Il me demande à moi. Montre, Michel. Alors, je montre ma cuisse, et il me dit voilà ce qui s'est passé. Alors, croyez-moi, c'est mieux d'arrêter maintenant que d'avoir des problèmes en plein tournage. Par contre,
Marc dit, oui, on n'a pas le temps maintenant pour trouver quelqu'un d'autre. Et Jean-Claude dit, une erreur. Il dit, oui, mais mon ami ici, c'est lui qui jouera le rôle. J'avais des longs cheveux, je te dis. Et moi, je dis, oh non, c'était pas le moment de leur dire, tu vois, c'était pas le moment. Et je frappe Jean-Claude en dessous de la table avec mon genou, tu vois, pour qu'il se tait. Je dis, mais non, mais ils ont raison. Parce qu'ils ont dit, mais non, c'est pas possible, Michel, il est gentil, il n'est pas asiatique, il peut pas faire le combat. Et je dis, mais c'est vrai, ils ont raison, mais tu es fou, toi, mais je peux pas le faire, moi. Alors, je frappe, tu sais, en dessous de la table, hein, et je dis, mais écoute, attention, il y a ce gars-là en Hollande, là, il va nous envoyer des photos. Tu vois le gars avec la queue de cheval asiatique, là. Alors, là, Jean-Claude a compris. Pour qu'il me laisse le temps à moi de faire les photos. Et puis, je dis, Marc Dissal va aller sur Hong Kong, il va voir aussi certaines personnes là-bas. Et puis, on met les photos sur la table et on vous laisse choisir. Et les autres ont dit, ah, ça oui, ça c'est plausible. Et puis, je vais voir Hurley Lys. Je lui dis, écoute, j'ai investi mon temps, tu investis ton temps. Est-ce qu'on va avoir le rôle? Je ne sais pas. Et je dis, voilà, moi j'ai une idée. Mais Marc Dissal, j'explique, va aller voir un casting. Moi, je fais partie du casting. On va faire notre possible. Si c'est possible, évidemment. Je dis, voilà, Earl, voilà mon idée. Et je lui ai expliqué. Asiatique, un visage satanique, asiatique, queue de cheval, etc. J'explique. Il me regarde. Et puis, il me dit, je dis, mais si tu es d'accord, il me dit, ça va prendre du temps. C'est pas facile, cette prosthétique-là, ça prend du temps. Mais on avait une très bonne amitié, lui et moi, sur Cyborg, en Caroline du Nord, on a une bonne amitié. Et je l'ai défendu dans différentes occasions, il y a eu des problèmes aussi. Et bon, on a lié une certaine amitié. Il m'a dit, ok, je ferai ça pour toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a demandé de m'asseoir. Il m'a demandé de m'asseoir et il a pris, je me souviens, un poster d'un lion. Alors regarde bien ton pot, il y a du lion. Regarde bien et il y a du lion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un crayon et une feuille de papier, large feuille de papier, et il a commencé à dessiner. Il a commencé à dessiner et il a marié les deux visages. Il a marié mon visage et le lion. Et c'est là où tu as ton pot, le visage de ton pot. Oui, on voit derrière toi le visage. Là, tu peux voir vraiment qu'il y a du maquillage un peu là. Parce que là, c'était proche peut-être. Oui. Non, on voit bien. C'est tu vois, le visage, c'est un mariage, le mien, avec le lion. Avec un lion. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait un cast. Donc, il m'a mis du plâtre. Il a fait un moule de ma tête. Et puis, je suis parti. Il m'a dit, reviens demain. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la plasticine sur ma statue à moi. Il a regardé le dessin qu'il a fait et il a commencé à mettre sur la statue, sur le visage de la statuette, le visage qu'il a donc dessiné. Et puis, il l'a mis au four. Je ne sais pas comment le système qu'il a fait. Il a fait un système. Il a mis de nouveau un moule dessus. Après, une fois qu'il a mis la plastique dessus, il a mis un moule, il a cassé aussi de nouveau, je me souviens. Et puis, il a laissé sécher, il a enlevé. Et là, à l'intérieur, et puis il a mis un produit. Et voilà, il y a eu le masque, un prosthétique. La prosthétique, il me l'a mis sur le visage. Ça, c'est la prosthétique. Tu le vois, la prosthétique? Oui, oui. En plus, on mettra les photos qu'on a à la maison à toi dans le maquillage.
On a tout le voilà. Donc, tu as la prosthétique là. Et puis, ça a pris 2 heures pour le mettre sur mon visage. Et puis, parce qu'il devait être très, très méticuleux. Ça devait aller petit à petit, tu vois. Que quand il collait tout le masque sur mon visage. Et puis, il a couvert le masque de mes sourcils. C'était couvert. Et il a mis d'autres sourcils. Il a mis des sourcils qui ressemblent plus un peu au lion. Et puis, asiatique. Il a fait évidemment masque qui soit asiatique. Et puis aussi, il a élargi mes narines. Il a élargi mes narines avec des latex. Tu vois, un peu comme des narines de lion. Et puis, il a fait ce fameux maquillage de dragon dans mon épaule gauche, ce fameux dragon, un tatouage. Et puis, on a fait des photos. Après cela, on avait un autre rendez-vous. J'avais montré ça à Jean-Claude, je me souviens. Je me souviens que j'avais envoyé à ma maman. Ma maman, quand elle a vu, elle avait dit, ça, c'est pas mon fils. C'est pas toi. Elle a dit, non, ça, c'est pas mon fils. Ça, c'est mon fils, il n'est pas comme ça. Et Jean-Claude, quand il a vu, il est tombé de haut, il a dit, je pensais, je te connais, tu as de bonnes idées. Je pensais que ça allait être bien, bien fait. Mais ça, il me dit, ça, c'est exceptionnel. Alors, je lui donne le téléphone, je dis remercie Earl Ellis. Et il a remercié Earl Ellis. Fais attention parce que crois que tu es en train de mettre ton doigt sur le micro, on t'en parle très bien. Ça va mieux comme ça? Ça va mieux. Alors, tu as entendu ce que maintenant ou bien oui, tu veux que je récupère? Récupère après de dire à Jean-Claude. Tu as montré à Jean-Claude, il a dit c'est exceptionnel. Voilà. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, appelons Earl Ellis et remercie-le. Alors, il a remercié Earl Ellis et on lui a expliqué que maintenant, on va passer un casting. Et on verra. On espère qu'on réussira notre coup pour que lui vienne aussi avec nous sur Hong Kong. On croise nos doigts. On est de nouveau invité à la salle de conférence à King's Road. Marc Dissal est revenu de Hong Kong. Il est venu avec des photos. D'ailleurs, un des combattants, il l'a mis. Je sais pas si tu te souviens, j'ai descendu dans un montage, dans le film Kickboxer, je descends un costaud comme c'est un Asiatique. Lui était dans le casting pour Tong Po aussi. Alors, Marc Dissal a déposé ses photos. Il avait une dizaine de photos qu'il a déposées sur la table et nous, une photo de soi-disant ce champion thaïlandais, ce champion de la Hollande. Tu te souviens? Le gars que j'avais dit de la Hollande, soi-disant. Moi, j'ai mis une casquette. J'ai fait comme si ce n'était pas moi. Rien à voir. Je mets la photo, soi-disant le champion de la Hollande qui a un look asiatique nous a envoyé. Quand j'ai déposé les photos sur la table, tous, en une fois, ils ont pointé le doigt directement, on veut celui-là. Tous. Ils étaient impressionnés. Même Marc Dissal lui-même, il a regardé, Donc, c'est comme ça que j'ai eu le rôle. Et ce n'est pas terminé l'histoire. Jean-Claude voulait continuer un petit peu à faire souffrir Marc. Parce qu'ils ont un truc entre eux, ces deux-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va sur Hong Kong. Marc dit à Jean-Claude, alors c'est quand qu'il arrive, ton ami, là, celui qui va jouer le rôle de Tong Po, c'est quand qu'il arrive? Ah, ça y est, il arrive, c'est ce dimanche. On va à l'aéroport, mais il faut une suite royale pour lui, il faut une Rolls-Royce, il faut... Ouais, on connaît les petits de Jean-Claude, on les connaît bien. alors, il lui dit, ouais, pas de problème, on va avec une Rolls-Royce à l'aéroport et les gens sortent. Et lui, c'était un petit, gros, rien à voir physiquement avec le physique de mon physique, quoi.
Et Marc dit ça, elle regarde, il dit, mais oui, où il est, on ne le voit pas. Et ce petit gros-là me voit, il sourit, Eurlélise donc. Et il vient vers nous. Marc dit ça, ne comprend pas. Il dit, mais où est-ce qu'il est, ton pot? Où est-ce qu'il est, le gars? Où est-ce qu'il est, le gars qui va jouer ton pot? Marc et Jean-Claude dit, mais il est là, c'est lui là. Marc dit ça, qui? Et puis il pointe Eurlélise. Et puis Marc dit, c'est pas le moment de rire. On va commencer le tournage bientôt. Où est-ce qu'il est, le gars? S'il te plaît, où est-ce qu'il est, le gars? Et Jean-Claude dit, mais je te dis que c'est lui. Alors, patience. Marc Dessal est devenu fou. Il devenait fou. Alors, on est monté dans la Rolls-Royce et puis on est descendu à l'hôtel. Et puis, il a dit à Marc, laisse-les rentrer dans la suite royale et puis ton pot sortira. Marc Dessal et Denis Alexion étaient avec nous. Celui qui a joué Eric, tu vois, le champion là, du monde. Oui, oui. Il ne comprenait plus rien. C'est quoi cette histoire? Et puis, quand je sors avec le maquillage, 2h30 plus tard, 3h plus tard, ils reviennent. Ils ont été manger un bout. Et quand ils reviennent, ils me voient, moi, avec le maquillage. Là, Marc Dissal, il commence à avoir un fou rire. Denis Alexio, il est tombé par terre. Parce qu'il me connaissait, tu vois, très gentil, très sympa. Et puis là, de nouveau, je deviens directement quelqu'un de... très, un look très méchant comme ça, tu vois. Et puis, je les regarde avec mon maquillage comme ça, tu vois. Alors, voilà. C'est comme ça que j'ai eu le rôle de Tompo. Wow, quelle belle histoire, Michel. Quelle belle histoire et des anecdotes. Et c'est quelque chose à vivre. Hein? Ouf. C'est quand je revois et que je revois ma vie, il y a des histoires incroyables. Des histoires incroyables. Bloodsport, il y a une autre histoire. Bloodsport, tu as encore un peu de temps là, Alex? Ben, j'aimerais bien te faire des autres questions au sujet du film de La vie de Juan, mais on a le temps de refaire. Alors voilà, Alex. Alors moi, ce que je te propose, parce que moi j'ai une réunion après, c'est que donne-moi une ou deux questions les plus importantes et puis après, plus tard, on peut toujours faire une autre interview parce que là, moi, je devrais y aller bientôt. Donc, choisis les questions que tu veux vraiment me poser. D'accord. Bon, tu sais bien que Juan Pinilla, il a eu une vie un peu dure, une vie de film, pour dire comme ça. T'as tout le temps aimé le projet et une des questions, c'est pourquoi tu aimes tel temps l'histoire à Juan? C'est peut-être parce que aussi tu te sens un peu identifié avec sa vie dans le film. Et quel rôle, si tu aurais l'opportunité, quel rôle tu aimerais bien jouer dans ce film? Alors, n'importe quel rôle. Attention, tu me pressionnes mon micro encore une fois, Michel. Oui, alors tu m'entends ici? Alors, là, je t'entends. Alors, n'importe quel rôle que Juan me remettra, je serai fier de le faire. Sache ça. Je t'entends pas. Oui, tu m'entends maintenant? Maintenant, je t'entends. Je disais, n'importe quel rôle, je serai honoré de participer à ce projet-là. L'important, ce n'est pas le rôle. L'important, c'est de participer. Donc, je laisserai Juan me proposer ce qu'il veut. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, qui porterait sa vie, c'est comment une personne peut changer. Comment une personne était dans l'erreur et puis peut devenir… Ça peut inspirer beaucoup de gens et dire… aux jeunes et aux moins jeunes qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de revenir au droit chemin. Et ce qu'il a fait dans sa vie, comme beaucoup de gens, il a eu des moments très difficiles, mais il a pu retourner la situation avec sa persévérance, son travail. C'est un exemple. Vraiment, Juan est un exemple. Donc, pour moi, c'est oui, ça identifie un petit peu, je m'identifie aussi dans sa vie,
parce que voilà, on a tous les deux tout fait également pour motiver les jeunes à faire du sport qui s'éloignent de tout ce qui est mauvais. Et grâce à ce film-là, je crois que là, il y a un message solide. Comme je n'entends plus. Allô, oui. Là, je t'entends. Comme dans Bloodsport, Kickboxer, Full Contact, il y a eu le même genre de message. Beaucoup de jeunes qui ont vu Kickboxer, Full Contact, Bloodsport se sont retrouvés de la rue dans une salle de sport. Et je pense qu'avec le film de Juan Pinella, il va y avoir la même motivation, le même message. Donc, encore une fois, ce sera un plaisir d'être dans ce film. Et un dernier message pour les jeunes qui vont nous écouter, nous voir. T'aimerais bien transmettre un message pour les aider un peu, parce qu'on est en train de vivre une société et une époque où les jeunes ils sont en train de se perdre un peu trop vite. T'aimerais bien transmettre. Alors, moi, le message que j'aimerais bien donner aux jeunes et que j'ai donné, ça fait maintenant des années, parce que j'ai donné des messages dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des prisons, dans des universités. Et le message que je donnerais, c'est tout d'abord, une personne doit combattre lui-même. Le plus grand combat qu'on mène dans notre vie, c'est avec soi-même. Parce qu'on a chacun d'entre nous le mal et le bien en nous. Donc, il faut combattre ce mal. Alors, comment est-ce que tu amplifies le bien et comment est-ce que tu amplifies le mal? Tu amplifies le mal à cause de la drogue, à cause de l'alcool, à cause des jeux, casino, à cause des... Ça se voit, ça se sent, on le sait. Donc, il faut éviter de rentrer là-dedans pour ne pas amplifier le mal qu'il y a en nous. Maintenant, amplifier, c'est grâce à quoi qu'on amplifie le bien? Ben, le sport. Le sport, c'est un outil pour amplifier le bien. Donc, il y a autre chose aussi que j'ai remarqué. C'est que quand tu prends soin de tes parents, vraiment, je vous dis, il y a une karma. Il y a une karma dans la vie. C'est-à-dire, quand tu es... Évidemment qu'on peut tous faire des erreurs. Évidemment qu'on peut tous s'emporter et se fâcher. Mais directement après, il faut revenir vers sa maman et son papa si on a fait des erreurs. Leur donner un bisou sur la tête. Les embrasser. Leur dire, je suis désolé, j'ai déconné là. Et essayer, et il faut, c'est pas essayer, il faut absolument respecter ses parents. Respecter d'ailleurs n'importe qui. C'est pour ça que je dis, il faut d'abord respecter soi-même pour réussir dans la vie. On se respecte soi-même, ne pas rentrer des crasses dans notre corps, plutôt des choses bien, fruits, légumes, bio. Les exercices, c'est ça qui t'aidera à amplifier le bien. Mais si tu mets des crasses, hashish, marijuana, cigarettes, alcool, cocaïne, héroïne, mais tout ça, c'est de la merde, de la grosse merde. Donc, il faut faire très attention à toute cette merde. Désolé, mais c'est une merde, pire qu'une merde. Donc, il faut faire attention de ne pas amplifier le mal. Il faut amplifier le bien. Et automatiquement, on va devenir mieux avec soi-même, on va devenir mieux avec son voisin, on va devenir mieux avec ses amis, on va devenir surtout mieux avec ses parents, son papa et sa maman. C'est super important, ça. Croyez-moi, karma existe. Surtout avec les parents. Si on fait du mal à ses parents, ça va aller mal pour vous. Croyez-moi. Toujours bien écouter ses parents. Et
Et c'est pas évident. La vie n'est pas évidente. La vie est un combat. Mais il faut la combattre honorablement. Comment? En se levant tôt le matin, en travaillant dur, en étant persévérant, en écoutant plus que de parler. Parce que pourquoi le bon et une bouche parle moins, écoute plus. Si le bon Dieu voulait qu'on parlait plus, il nous met deux bouches et une oreille. Donc, bien écouter, surtout les personnes plus âgées, bien les écouter. Donc, qui est-ce qui est le plus âgé et en plus qui sont honnêtes avec vous et qui vous donnent leur amour? C'est votre papa et votre maman. Notre parent. Vos parents. Il n'y a rien de plus important. Eux qui vont vous aider dans votre vie, ils sont là, ils sont avec vous. Et bien souvent, malheureusement, les jeunes les dénigrent. C'est les personnes qui... Je te perds, Michel, je ne t'entends plus. Justement, c'est bon maintenant, Alex? C'est bon maintenant. C'est justement... Où est-ce que je suis arrivé, Alex? Ben avec tes parents, de respecter les parents, écouter les parents parce qu'ils sont plus âgés et ils vont être là avec nous. Absolument. Vous avez les meilleurs avocats à vos côtés, les meilleurs et gratuits. C'est vos parents. Vous ne pouvez pas avoir meilleur avocat que vos parents. N'oubliez pas ça. Respectez-les. Merci. Même si vous n'avez pas été respectueux, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Au contraire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous êtes encore en vie? Vous avez déconné avec les parents? Excusez-vous. Traitez-les comme votre papa et votre maman, avec respect. Écoutez-les et croyez-moi, votre vie ira beaucoup, beaucoup mieux. C'est clair. Michel, je te remercie beaucoup de prendre ton temps avec nous. Et bon, on va être bientôt ensemble parce qu'on va refaire le mémorial de mon frère, Hans Pinilla. On aura le temps de parler bien tranquillement avec toi et un de tes fils. Parce que vous allez être par ici, vous êtes invité et comme d'habitude, vous aimez l'Espagne et vous serez bienvenu. Et bon, Michel, pour redire au revoir à tous les jeunes qui vont nous écouter, comme ma phrase, comme tu as dit sur mon Instagram, solos fuertes, juntos invencibles. Répète-le-moi là. Solos, fuertes, juntos, invencibles. Ça veut dire que solos, fuertes, juntos, invencibles. Ça veut dire que seul, on peut être fort, mais si on est unis, on peut être invincible. Absolument, l'union fait la force, absolument. Bon, Michel, merci beaucoup et à avec bientôt. Plaisir. Je te laisse parce que tu as une autre réunion, la famille elle t'attend, alors on va le laisser tranquille. Mais merci pour nous écouter. Avec grand plaisir, remets-moi un grand bonjour à ton papa et I love España. Arriba España. Un bijou, Michel. Bueno, chicos, se ha cortado antes de lo previsto. Hemos tenido dificultades para estar bien con él. Habéis visto que se ha estado cortando la llamada y demás, pero bueno, tampoco es que tuviera muy buena cobertura. Está en un sitio en Marruecos bastante apartado, en un pequeño pueblo. Pero bueno, ha sido muy intenso, me ha encantado poder hablar con él, espero que vosotros también estéis encantados. Intentaremos hacer la traducción lo más limpia posible,
ya que es bastante difícil y bastante largo. Pero bueno, lo dicho, nos vemos familia, solo fuertes, juntos, invencibles.